Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour le quatrième épisode du Let's Play sur Just Cause 3. Le temps chaotique s'est calmé, tout va pour le mieux maintenant avec Rico. Du coup on va continuer gentiment notre aventure, bien entendu. Alors là du coup il faudra un moyen de locomotion aérien afin de rejoindre l'archipel qui se trouve ici là. Parce que sinon bah ça risque d'être un peu compliqué hein. Avec des amis pareil, ok. Ouais, résumé de mission, on va pas le lire. Je vais pas me faire spoiler non plus, hein. Faut pas abuser. Hein. Mais du coup, ouais, il me faudrait un petit hélico, ce serait vraiment pas drôle. Bah, du coup, on va s'appeler ça. Hein. On va profiter justement de la fonctionnalité présentée lors du dernier épisode. Véhicule. On peut même se livrer des armes, tiens, autant en profiter même. Bah, du coup, ouais. Un petit hélico. Il vous faut une balise. Ah oui, merde, du coup, il me faut une balise. Bah, oui, forcément. Attends. Y a pas un truc dans le village? Si. Rico, ma soeur te trouve mignon. Là, normalement, par là, y a un garage. Ouais, c'est bon, il y a des balises. Là. Voilà. Nice. C'est vrai que sans balises, ça va être un peu plus compliqué. Du coup, on fait la livraison. Alors, hélicoptère. Hop, on prend celui-ci. Voilà. On peut changer d'arme, du coup. Celle-là est en rafale. On va peut-être changer parce que... Ah, t'es bien, mais sans plus, hein. fusil à pompe, mitrailleuse. Et je vais prendre celle-là. Là, on va même changer, tu vois. On va prendre celui-là. Pistolet mitrailleur. Ok, bah ça me paraît pas mal. Spécial, c'est quoi, d'ailleurs? Ah, spécial, c'est... Ok. C'est en fait dans l'emplacement des... On avait une magnifique vidéo là. C'était dans l'emplacement du coup des lance-loquettes. Bon, ça devrait être bon ici largué hein. Bon oui, on devrait le faire. Putain mais c'est trop bien ce système là. Largué en conteneur comme ça le truc. Alors on va bien pouvoir décoller cette fois tu vois. On prend ça du coup. Voilà. Cette fois-ci ça devrait pas être une arme à rafale. Enfin je pense hein. Je présume par contre mais quoi elle est vite très haut. J'ai quoi je travaille. Je vois pas. Allez, parfait, il décolle direct. Du coup, on est parti. Mine de rien, ça a l'air encore d'être plutôt loin. Bon, on le voit d'ici parce qu'on a une bonne distance d'affichage. Mais ça a l'air quand même un peu loin. Moi, ça c'est bien parce qu'on visite d'île en île. Du coup, j'ai même pas besoin de faire moi-même un tour de map. Et merde, putain. J'ai rien fait monsieur, rien fait. Je suis quelqu'un de pacifique, je n'ai rien causé en termes de tort à votre dictature. Vous pouvez pour le mieux finalement. C'est bon. Oh mais regardez cette eau là. Oh là 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 là. C'est paradisiaque hein. Paradisiaque mon gars. Donc là, bah du coup là on, normalement dans cette zone on n'aura pas de soldats ennemis je pense. Parce que ça a été tout... C'était tout bleu. Normalement c'est complètement à nous. Ça doit être le quartier général tu vois maintenant. Mais ouais. Putain, et là on a encore rien, mais alors rien parcouru de la map, hein. C'est ça qui est fou. Bon après là par exemple oui t'as une île, c'est vrai, elle est vide, il n'y a qu'une seule maison dessus, mais malgré ça, c'est quand même très très grand. Hein. Bon, en même temps ça aussi c'est très très excentré, donc c'est pas étonnant que ce soit un peu désert. Alors pas du tout. Épisode qui sera un peu plus court, hein, je pense également aujourd'hui, parce que là les précédents étaient un peu longs. Donc ouais. Même si je sais qu'à partir d'un moment, on va sûrement passer un épisode par semaine, mais je sais pas quel épisode ce sera. En tout cas, à partir plutôt de quel épisode ce sera, donc on verra. Mais ouais. Ça du coup, je sais pas. Bon, c'est sur la côte du coup, sur la plage même. Ouais. Ok, bah sautons hein. Ah oui c'est vrai du coup on peut faire ça. C'est trop bien. C'est trop bien. Il active pas son wingsuit. Mais comment on active le wingsuit du coup je sais plus moi hein. Ah c'est pas avec croix ça c'est sûr hein, parce que c'est pour le parachute mais je sais pas moi comment. Ouais je sais pas comment faire. Hop. La révolution.
Tu vas me dire que c'est une grotte souterraine en mode James Bond. Ta-na-na-na, ta-na-na, ta-na-na-na. On est des agents secrets maintenant, c'est ça? On a une base secrète comme ça? Oh oui, c'est ça en plus. Enfin bon. Pas vraiment sous la mer, mais voilà. C'est quand même en pleine grotte comme ça. Ah ouais, il y a même des constructions comme ça, ok. Hey, Rico, t'es mon héros. Merci. Allez. Ouh là là, il y a un train. Écoute, on a jamais dit ça correspond à la mission, ça, Shelton. Ouais. Eh ben maintenant, c'est l'heure d'en discuter, Mario. Je veux pas. Je suis désolé, fiston. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Tu vois que t'as trouvé les rebelles, Sheldon. Bah, tu sais, mon pilote Crashy dit qu'on doit tous participer. Et tu me connais. Je suis philanthrope de l'année, comme tous les ans. C'est ça. Eh, c'est vrai. Justement, je viens de signer un deal avec les rebelles, tu vois. Tu les sauves, ils m'aident, et moi je t'aide à aller d'un point à l'autre. Hein? Merci, Jim. Merci. Mais de rien, gamin. Ça me fait plaisir. Ah oui, putain, c'est un numéro, hein. Bon, ça nous en dit pas plus sur la mission à laquelle on va participer. Est-ce que c'est en lien avec l'écran de chargement où on avait un train là? Parce que je veux bien détruire des trains maintenant, hein, pourquoi pas, hein, je n'exclus pas cette envie. Parlez à Mario. Ok. Bon, ils auraient pu enchaîner la cinématique, hein, c'était juste à côté. Cette embrouille avec Sheldon. C'était lui la radio. En fait, il nous en a donné à tous, comme si c'était des cadeaux. Tu m'as menti. Il a vu nos faiblesses. C'est notre évolution, mais... il nous tient. Mario... je connais Tom Sheldon. C'est un ancien collègue, mais toi... t'es mon ami. Il faut que tu me dises la vérité. Je suis désolé. Vraiment désolé de t'avoir mêlé à ça. Je t'en veux pas. N'oublie jamais de te protéger, mon ami. Ah, amusant. De l'eau. Viens. Mon portable est pas assuré. Elle parle d'un entrepôt de Bavarium. C'est là qu'on stocke le minerai. En le détruisant, on frappe là où ça fait mal. Je vais aller voir. De grandes choses s'annoncent. La probabilité d'une mort atroce est extrêmement élevée. Hey. Pour toi, à 100 ans, Diravelo est maintenant l'homme le plus dangereux de la planète. Il me faut mon scanner à Bavarium. Trouve mon contact à Vigilator Nord. Ok. C'est dangereux, il paraît. Hein. Attention. Attention. Bon, de toute façon, hein, ça va finir de la même manière que comme d'habitude. Hein. On va tout faire péter. Ah, voilà. C'est le dénouement commun de toutes les missions. Je connais ce type. Alors... son bateau est coincé. Tu peux l'aider? Lui est là! C'est un type bien, mon frère! Nico, aide-moi! Nico! Coucou! La mère est en colère aujourd'hui. Tu peux nous aider? Bon, bah, mettre à l'eau, on sait comment faire. Hein. Du coup, point d'attache, on va le mettre là. Voilà. Merci, Rico. J'oublierai jamais ça. Pas de rien. Hé, hey, Rico, tu peux aussi utiliser ces fusées éclairantes pour demander à mes hommes de te balader sur l'île. Rapide, efficace, tu peux même en profiter pour pioncer un peu. Allez, je t'emmène à Manea. C'est bien plus près de Vigilator Nord. Ok. Tisse de déplacement du coup rapide. J'ai pas vu le reste. Sectionner Manea. Ok, on va retourner au début du coup. Voilà, et on doit aller là. Déplacement rapide du coup. Ok. Bon, très bien, ça nous apprend le déplacement rapide. Pourquoi pas. Que va-t-il se passer? Parce que là, on n'a pas vraiment d'objectif de mission pour l'instant. On fait des déplacements rapides, c'est cool, mais... sauter! Hein? Ah, c'est ça le déplacement rapide, c'est stylé. Mission de... hein? Tu parles d'une mission, on n'a rien fait. Super, c'était sympa comme mission. Bah non, en fait, il n'y avait pas de développement explosif cette fois. Rico, oh, va voir mon contact, Luch, à Vigilator Nord. Il t'aidera à trouver ce scanner à Bavarium. Vigilator Nord. Alors, c'est où ça?
Voyons voir où c'est. Déjà, on va descendre. On va descendre. Ok. Alors. Tout. Ah bah, c'est juste ici. C'est juste ici. Ok. Hop. Du coup, on y va direct. Hein. Peut-être un véhicule cette fois. J'ai pas envie d'aller en mode grappin. J'ai pas envie de tout grappiner. Hein. Bah, attends, on peut prendre ce véhicule, non? Mais oui. Je sais pas si c'est rapide, mais... Ah ouais, en plus, il y a la fille à la tourelle avec. C'est fourni, quoi. C'est cadeau. C'est pas mal. J'aime bien le concept. Hein. Plus sympathique, je trouve. Beau cadeau. Let's go. Ça paraît quand même un peu loin. Hein. Pour ça, on va peut-être après sortir en mode... mode parachute. Hop. Ouais, parce que après, en fait, sur la carte là, ça mettait un truc. Ouais, regardez, on va pouvoir couper là. Parce qu'en gros, je me dis de faire ça, t'as cru que j'allais faire ça? Non, non. On va s'arrêter genre là et on va sauter après. Ça me paraît être un peu plus rapide comme option. Parce que sinon, non, on perd du temps. Hein. C'est pas qu'on est pressé, mais... faut faire du temps utile. Ok, alors c'est peut-être du coup à ce niveau-là qu'on va pouvoir sauter. C'est révoltol, c'est révoltal. Plutôt ouais, c'est révoltard, hein. Ouais, c'est ça. Ouais, vas-y. Allez, je t'abandonne, à plus. Merde. Ouais, bah non, hein. Bon, bah en fait, on va continuer. En véhicule. Ah bah du coup on a perdu notre notre tourelle. Oh le gros salaud que je suis, putain, sérieux, je l'ai abandonné. Et on est où du coup là? Oh bah parfait finalement hein. C'est peut-être pas ce que je voulais faire directement, mais ça donne à peu près le même résultat. Donc c'est quand même pas mal. Ah non, moi j'aime bien le principe hein. Plutôt original comme, comme sortie de route. Ok. Parce qu'il a pas sauté, ouais, là encore, il a pas sauté en parachute, c'est ça qui est trompeur. Waouh, c'est ça qui est trompeur. Qu'est-ce qu'on va faire là? Bof. Conflit d'intérêts. Non, on enchaîne bien la mission. Hein. Hey, c'est toi, Luch? Ça dépend, qui le demande? Dima m'envoie. Oh, alors c'est moi. Ah, Vigilator Nord, c'est sur la rive d'en face. Mmh. Je cherche le scanner de Dima, c'est ça? Oui. Dommage. C'est une aiguille dans une énorme botte de foin. Bonne chance. T'en auras besoin. Merci, Luch. Hey! Je dis les choses comme elles sont, moi. Il est honnête, il est honnête. Ça le mérite d'être clair. Ok, rejoindre Vigilator. Non, on va tout faire péter là. Hein. Oh oui, oh oui, on va tout faire péter ça là. Oh là là, ça va péter, je peux te dire. On va pas rester traîné là. Hein. Mais en fait, des trucs comme ça, il y a un peu partout dans la map. Hein, parce que du coup, c'est le même qu'on avait vu bah, précédemment. Hein. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est complètement ça même. Hein. Comme ça, il y en a partout. Contrôle de communication. Voilà. Je sais pas. Il ressemble à quoi ton scanner? C'est un appareil portable, pas bien grand, qui ne ressemble à rien pour rester discret. C'est embêtant quand on le perd. Est-ce qu'on va devoir tout faire péter? Forcer. Fonce les conteneurs de stockage dans la base. Pareil, quoi qu'il est tout en haut, parce que bon, il va pas être là déjà, tout en bas, ce serait pas logique. Ce serait trop facile surtout. Ah oui, ok, donc direct dans le combat. Allez, ça c'est les pistolets, on va... Les pistolets ont l'air plutôt pas mal là, ce que j'ai pris. Voyons voir le fusil d'assaut. Ah merde, tu l'as, il est semi-auto.
Mais j'arriverai jamais à avoir un truc automatique, moi, ou quoi. Non, par contre, mec, j'ai pas envie de jouer avec toi. Bonjour. Ok. Ah, du coup, il y avait un conteneur là, on pouvait toujours plier lui, hein. Oh, c'est tout ça qu'on va faire péter, ouais. Voilà. On peut aller en hélico, tu vois, se balader, sauter. Je pense que c'est plutôt utile. Ça, on va faire péter avant, quand même. Voilà. Et on va peut-être se déposer là. Comme ça, on récupère après l'hélico. Hop. De toute façon, je suis presque sûr que c'est pas là, hein. C'est pas possible. Forcer par contre, comment on force? Oh merde, mais... Comment on force? Faut me faire péter encore là? Bah, il me dit de fouiller maintenant, mais ça a pas pété. Ça n'a pas du tout pété. Hein. Comment je fais? C'est malin ça, mais ah, peut-être que. Ok, c'est bon. Y'a rien là-dedans. Ah, carrément. Hein. Bon, bah, je reprends mon hélico si vous voulez bien. Attends. Ah, mais ils vont me détruire, putain, vite. Ok, alors toi, je vais faire ta fête. Bon, quoique, on va peut-être. Non, on va pas le laisser. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'ils risquent d'en limiter eux, hein. Pas d'hélico, t'es pas assez badass pour moi, tu vas mourir. Enfin, tu vas te faire détruire. Voilà, nickel. Bon, on va aller à l'autre. Il y en a combien au total? Il y en a 6, on dirait. Je suis sûr que c'est tout en haut, c'est trop logique, tu vois. Ouais, mais c'est trop logique, du coup, c'est peut-être pas ça. Non, non, c'est forcément ça. Voilà. On va le forcer comme ça au pire le truc. Bah oui. De là on peut pas savoir si c'est... Il est pas vide lui. Il n'est pas vide lui, tiens. Pas là non plus. Ouais mais il était pas vide aussi, il se trompeur. Attends, on est obligé de descendre, c'est chiant. Alors bon, on va passer là du coup, niveau supérieur. Ah, il y a un autre hélico là. My God. Ok. Très bien. Hop, on fout la cuve comme ça au calme. Il est pas mort. Monsieur, hé, hé. On peut pas utiliser directement la tourelle par hasard? Si, c'est ce que je pensais. D'ailleurs, on est en VFS. Cool ça. Ça a pas l'air de vraiment de marcher, hein. Ouais, non. Je me fais tirer dessus de partout, mec. C'est le bordel. Ok. Ça, à chaque fois, les conteneurs, c'est pas facile à ouvrir. Hein. Toujours pas de scanner. Aussi bien, tu sais, c'est même... Ça, c'est possible aussi. Il y en a pas des scanners, en fait. On va tout fouiller, on va se rendre compte qu'il n'y avait rien. Hop. On va plus aller là, parce que là, il y avait pas mal d'ennemis. Ok. Ces trucs là, je sais pas, mais j'ai pas confiance. Arrête toi là. Oh, magnifique, magnifique. C'est bien déposé. Ouais, ça monte bien, hein, si. Ça monte bien. Ça peut être là-bas aussi, mais on va plus continuer ici pour l'instant.
Ça, on peut le faire péter, non? Attends, j'ai une idée. I'm genius! Et ça a fait du coup. Là, attends, là, je titube un peu. Je ne pète pas? Bah, si, ça pète. Oh, nice! C'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. Tu vas faire péter, mon gars. Par contre. Dégagez-vous. Hop. On va reprendre un hélico du coup. On va en profiter. Oh mais c'est trop stylé. Et là on va tout détruire mon gars. Putain, on va se faire plaisir. Je pense que ça on peut le détruire en direct. Aïe. Aïe. Aïe aïe aïe. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est pas cool hein ce qui s'est passé là. Non, je vais devoir tout remonter, c'est pas juste. Oh putain. Putain, t'as tout remonté. Oh, monsieur pompe. Waouh. Mais waouh quoi. Ouais bon, c'est pas forcément ce que je voulais faire là du coup. Dégage toi au pire mec. Fais pas chier, tu sais. Ouais, bon. Tâchons de monter, hein. Tiens, là, hop, direct. Et direct là, on a une bonne prise. Allez, faites. Voilà. Là, on va encore mettre une petite grenade. Ok, ça c'est un truc de largage. Pourquoi il y en a un ici, je ne sais pas. Et pourquoi pas, hein. On va pas dire non. Ah, parfait là. Ouais, au pire on va détruire le lance-roquettes, vu que là on a des roquettes. Voilà. Alors, hop. Tu vas voir que je vais le forcer, moi. Faut pas rester traîné, hein. Voilà. Ça c'est efficace. Vide. Et le truc il est instable, vous avez entendu le bruit là? Oui, oui, oui. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? On peut l'orienter par... Oh, oui. Oh, ah, il bug trop bien. Qu'est-ce que c'est que ce truc trop bien? On va détruire l'antenne avec ça. On va perdre au marché, hein. Si c'est bon, parabole télécom, fuck. C'est détruit. Ah merde, du coup, je crois que... Non. Ça se casse un peu la gueule, hein. Toujours pas. Non, c'est bon, en fait. J'ai l'impression que je tombais, mais non. Ah oui, mais lui, c'est un peu... On va le jeter à la mer, hein. Nya, nya. Allez, dégage. Ah bah attends, ici, on en a un autre. Oh, bah il y avait un mec. Coucou. Ah, mais c'est eux qui étaient en train de nous détruire, en fait, quand on était dans les hélicos. Ah oui. Ah non, 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 peut-être pas tout, pitou. Pitou, pitou, pitou. Pitou partout. Non, je veux pas. Mais non. C'est n'importe quoi ce qui se passe. Je ne comprends plus. Non, j'espère qu'il a pas tout détruit ma tourelle. Moi, je veux tout détruire ici parce que c'est trop bon de tout détruire. Du coup, on fera que cette mission aujourd'hui. On a fait celle d'avant, mais ça aurait pas grand chose. Du coup, on a tué le mec ou pas là qui était en train de nous. Non. Non. Ceci répond sûrement à ma question. Ok, il est mort. Donc, il y a toujours un mec en haut là. Je sais pas si c'est le même. Il est mort là, non? On va dire qu'il est mort. Alors, ici. Alors là, il y aura plus de télécommunications. Alors. Oh putain, c'est tellement kiffant de tout te faire péter comme ça. Oh là là là. Quel plaisir.
crois que là on a déjà... On a bien tout fait péter. Et du coup il était là-bas le conteneur. Si vraiment en tout cas ça compte comme... Comme le fait qu'il y ait conteneur. Sinon aussi bien il n'y en a même pas. Donc voilà. Ça j'espère que c'est pas le cas. Par contre du coup je pourrais pas détruire ça. C'est gênant. Une prochaine fois, parce que là en même temps j'ai même pas les objectifs de destruction en fait. Pour en être conscient. Allez, grappin, affiche-toi, ok. Enfin. Nickel. Ouais, nickel, attends. Parce que là c'est encore la guerre. Hein. Le petit headshot. Hein. Allez, go. Alors, est-ce que du coup, il y avait vraiment un conteneur ou il y en a pas? Aussi bien, moi je dis il y en avait pas. C'était juste une grosse douille forever. Hein. Bah non, c'est ici. Hein. C'était forcément ici ou c'était forcément le dernier conteneur qu'on ouvrait? Ça aussi, c'est possible. On sait jamais. Hein. Place le scanner sur l'une des trois grilles à Chimaleon. Il repérera Chimaleon. Les traces de bavarium raffiné. C'est loin de Chimaleon. Oi. Niveau d'alerte 5. Ah oui, je crois qu'ils sont pas très très contents. Hein. D'après ce que je vois, le scanner est instable. Alors toi déjà. Ça peut exploser. Tout ça, c'est pas les hélicos qu'on avait avant. Ok, en plus c'est chronométré, donc vaut mieux qu'on ait un hélico, effectivement. Oh, surtout que lui, il a l'air bien bien rapide. Donc, wow, il trace, lui. Oh, il trace. C'est parfaitement ce qu'il me fallait. Par ce jeu, plus j'y joue, plus je kiffe. C'est tellement énorme. Oh, c'est de la bombe, hein, ce Just Cause 3. Si c'est de la bombe. Le missile est limité. Mais c'est lourd, vraiment. Ok. Bah là, il y a encore de la destruction, hein. Oh my god. Ouais, mais ça décolle pas par ici, hein. On peut finir ça en mode comme ça, hein. Ah, mais non. Oh, je suis pas mort, comment ça se fait? Mais mec, c'est trop trop kiffant. Ok. Il est bien, là, non? Le wingsuit, putain, comment on l'active, ce con? Ah mais j'y suis pas vraiment. Ok, il y a des hélicos mais ouais. Putain, je voudrais activer mon wingsuit moi. On va essayer d'aller plus rapidement comme ça mais ouais, non, c'est pas gagné. Hein. La musique qui te met bien en jambe. Ça c'est beau. Putain. Waouh, non. Ah ouais mais regarde tous les hélicoptères aussi. C'est pas étonnant. Hop, on est à l'intérieur. C'est protégé ici ou quoi? Oh non mais non mais non mais non mais non. Comment on rentre? Ah la grille, ok. J'ai compris. Faut trouver un moyen. Hop. C'est bon. Hop. Ok. Oh putain c'est kiffant hein. Toutes ces explosions, tout ça moi. Oh ça me fait trop plaisir, j'adore ça. Ok. Et la musique. Qu'est-ce que c'est? Ouh. Ok. Hein? J'ai pas compris. Ça a envoyé le truc, ouais, du coup. On a raté, non? Je sais pas. Qu'est-ce qui s'est bien passé, là?
petit récapitulatif, s'il vous plaît, hein. Je sais exactement quoi faire avec ce scanner en miettes. Sécuriser la zone. J'ai le scanner. C'est où ? Ah mais c'est nous en fait qui sont en pièces comme ça. Je savais que je pouvais compter sur toi. Hey, viens, on va fêter ça au café français. Sécuriser la zone, mais comment ça en fait ? Ça je comprends pas. Hein. Faut tout détruire pour faire quoi ? Juste. Bah les gars, on peut s'arranger hein. Allez, on va tout détruire mon gars. Putain, c'est trop le bordel hein. Je pense que ouais, il faut les détruire, tout simplement. Comme ça, ça va être rapide. De toute façon, eux, ils ont pas de roquettes. On a bien pris bon hélico. J'ai misé sur le bon phal. Oh oui, putain ça. Vite là. Hop, truc anti-aérien là. Ah oh, mais je tire pas du tout dessus là. Ok. La zone est toujours pas sécurisée malgré toute cette destruction. Gentil bus. Sympa, sympa. Ah non, il y en a encore qui arrivent. Fuck. Attends toi. J'ai pas trop quoi faire là. Sécuriser la zone c'est sympa mais ouais. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il m'envoie des roquettes encore là. J'ai pas l'impression de vraiment sécuriser la zone là tu vois. Pas un objectif précis ? Bah non. Ah bah non hein. Manifestement. Oh ! Aïe, 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 aïe. Putain. Chaque fois je suis prêt de mourir mais jamais je meurs. Pour l'instant, hein. Je peux pas me porter à Shkoumoun non plus. J'aimerais pas trop. Putain mais meurs. Voilà. Toujours appeler des renforts aussi. Elle on ira le pas hein, ce train là. On n'y arrivera pas. C'est fou ça. Regarde, ça arrive en illimité. Peut-être se barrer hein. Moi je me barre. Je sais pas. Peut-être mieux de se barrer, ça va sécuriser la zone tout simplement, comme ça. Ouais, parce que regarde, il y a le truc de recherche. Ah, c'est peut-être ça en fait, fallait juste se barrer. Bah ouais, mais c'est traître aussi de dire sécuriser la zone. Fallait dire, enfuis-toi. Enfuis-toi au plus vite. Ah putain, mais je suis de retour opéré aussi, non. Contact perdu, oui, bah j'espère bien. Merde, retourner vers Sheldon. Bah oui mais... You Sheldon. Je sais même pas où il est ton Sheldon. Je l'ai pas vu en tout cas. Contact perdu. Faudrait que le truc de recherche là, ouais, il se fasse au complet. Comme ça je serais tranquille. Pour l'instant il a pas l'air de vouloir. Bon, ça avance là mais... Je sais pas si ça va tenir. Hein. Mais non, à chaque fois il revient putain. Perdu, contact perdu. Je sais même plus où j'étais à la base. Si j'étais là. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez.
fou. Non mais putain, mais je suis toujours recherché à chaque fois là. Comment tu fais aussi? Il retourne vers Sheldon, mais il est où encore? Putain, je me perds moi. Hein. Ah, c'est peut-être ça qu'il faut détruire, non? Putain. Ça peut être une option, hein. Ah, j'en ai marre. J'en ai marre. Oi! Mais putain, il y a des hélicos qui me tombent dessus maintenant. C'est pas possible ça. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Putain, mais mec, c'est affreux. Aïe! Oh bah là, je suis cuit, hein. Non? Hop! Ah, mais c'est pas possible! Oh là là, je sais pas quoi faire. Hein. Ah bah il s'est crashé lui, ok. Auto-crash, ouais. Antenne parabolique, ok. Je pense pas qu'il faut vraiment foutre le bordel, hein, même. Je sais pas, à défaut. Je suis pas censé être ici, hein. Non plus. Alors en vrai je sais plus quoi faire. Hein. En vrai je sais plus quoi faire là. Je sais plus quoi faire, je sais pas. Je peux pas sécuriser la zone, il y en a toujours qui viennent comme ça en infini. Si on se cachait là. Là je suis dans les buissons, tu me trouves pas. Hein. Il va me trouver hein. Mais regarde ça! Comment je fais? Comment je fais? Je comprends vraiment pas. Hein. Je vais finir par me suicider, je sens que ça va me mettre dans le bien. Est-ce qu'on tente le suicide? Vas-y, on tente le suicide. Parce que sinon je vois pas alors. Hein. Parce que sécuriser la zone, mais là c'est sans fin, hein. Ils arrivent en illimité. Putain. Échec, vous êtes mort. Mais peut-être pas, parce que là il va me mettre du coup avec une zone complètement sécurisée. Enfin j'espère, c'est mon objectif. L'épisode sera pas plus court, hein. Avec cette mission-là. Il m'est souhaité avoir, là. Non, non, non. Il m'est souhaité tromper. Du coup. Alors. Oh, je sais exactement voilà. Quoi faire avec ce scanner en miettes. Aux gens de Sheldon. C'était buggé aussi, oh, putain. Sheldon, j'ai le scanner. C'était l'objectif qui était buggé. Bah ouais, tu m'étonnes, ok. Je savais que je pouvais compter sur toi. Donc je me suis entêté pour rien. On a fait au café Francesco. Je me suis amusé à tous les détruire, mais j'ai fait tout ça pour rien quand même. Hein. Je tiens à le notifier. Oh là là, mais trop con. Non mais je pouvais pas savoir, c'est de la faute du jeu, hein. C'est pas de ma faute. Non. On va prendre ça. Hop, comme ça. D'abord ça va être un peu serré. Non, on est sous l'eau, maintenant on est ralenti. Ah merde. J'ai la flemme d'appeler un Nico aussi. Voilà, c'est bon. Là on est relancé. Ok. Oh, encore des fusillades, allez, non, c'est plus pour moi tout ça. Hein. C'est plus ma guerre. Fini. Fini. Hop, on va y arriver hein. Quoi, cette mission était bien cool et bien longue. Bien bien longue. Malgré l'aspect cool de la chose. Hein. Hop, c'est bon. Bah ici une statue, encore des trucs à détruire. Hein. Il y en a de partout des choses comme ça. Hop, ok. Allez, arrivé. Wouhou, je suis là. Ah, on arrive au café.
crois pas. Mais qui voilà, Sheldon. Je ne doute pas un seul instant que tu veux créer un monde stable et empli d'amour. Tiens, voilà ton scanner. Merci bien. Et merci d'être passé. On l'a bien lu, là. Hein. Ah, et mission accomplie. Conflit d'intérêts. Putain, ici, il y a pas mal de choses à faire. Hein. Oh. Hey, Rico, tu vas adorer. Les voitures béliers. Quoi encore, Mario? Ouais, j'aurais mieux fait d'aller à Hawaï. Ça va, l'un des scientifiques de Diravelo voudrait déserter. Ah, une bonne nouvelle, enfin. Aïe. Retrouve-moi à l'Antuina. Et te fais pas remarquer avant que j'arrive. Pas de problème. Je serai discret comme un ninja. Il y a plutôt intérêt, hein. Alors, c'est ouf. Du coup, prochaine mission qu'on fera la prochaine fois. On va sûrement aller encore dans une nouvelle zone. Ouais, hey, on continue à monter, tu vois. À progresser dans la map comme ça. C'est plutôt pas mal, hein. On a encore rien parcouru. Donc, du coup, prochaine fois, on ira faire ça à la girouette. J'espère, du coup, que cet épisode vous a plu. Quatrième épisode. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça me fera extrêmement plaisir. C'est la récompense. Et je vous dis, du coup, bye, tout le monde. Ouh, yeah.